J'aimais mieux rester dans la maison.
Parce que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, puis je transformais la maison de mes parents en n'importe quoi et ça me tentait que ça deviendrait. Des fois, je décidais que le grenier, c'était 2001 au-dessus de l'espace. Le rez-de-chaussée, c'était le désert du Sahara. Je mettais le four au bout, c'était pas très chaud, c'était chaud. Dans ce temps-là, je voyais des bonhommes de guerre. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là. Tu sais, on achetait ça dans des sacs en plastique, là. Moi, chez nous, j'en avais 4000 bonhommes de guerre. On y allait partout, sur le divan, sur la TV, sur le contrôle, le tapis était bien plein. 4000 bonhommes de guerre. Quand ma main passait à l'aspirateur, méchant carnage. 200-300 morts à tous les fois. 4000 bonhommes de guerre, puis chacun de mes bonhommes avait un nom. Ouais, ça prend de la mémoire, m'a dit. Puis mon préféré, c'était Joe. Joe, c'est lui qui était le même, là. Non, tu t'en rappelles, hein? Puis il y avait un calvaire, là, avec une chemise verte, là, puis un fusil vert, puis des culottes de l'hiver vert, finalement, t'sais. Il y avait un gros rond vert pour que tu tombes sur le dos, là, t'sais. Joe, là, Joe, c'était mon héros. Parce que Joe, il vivait des aventures, toujours des aventures. Comme une fois, Joe, là, les Japonais étaient partis après Joe pour le faire prisonnier. Et Joe, pour se sauver, il avait traversé la salle de bain. Mais pour vous autres, il revient là, tu fais ça, puis c'est fait. Mais nous, Joe, quand même, c'est une semaine et demie, deux semaines, dans la salle de bain. 4 jours sur le bord du bain à marcher comme ça, là. Puis elle voulait tomber à l'eau, c'est 10 ans le bord d'un bain. Puis ma soeur venait de sortir, puis elle jouait dehors, elle, t'sais. Là, les Japonais s'en venaient. Là, Joe, ce qu'il a fait pour se sauver, il a pogné la bouteille de shampoing, il l'a fait tomber pour passer entre le bain et la toilette. Là, Joe marchait sa bouteille de shampoing. Là, les Japonais s'en venaient. Là, Joe arrive sur le bord de la toilette. Le grand marécage. Il était pas sûr qu'il voulait nager là-dedans, là. Il y avait des gros bateaux bruns qui promenaient. Là, Joe, ce qu'il a fait pour nager là-dedans, il a pris de la brosse à dents mon père, c'est d'accord, shampoing, il a commencé à nager là-dedans. Coule le bateau brun, coule l'autre bateau brun. Juste comme Joe arrive dans le milieu de la toilette, il y a un Japonais qui a flush à la toilette. Flush! Là, Joe s'est mis à tourner, pas tourner, pas tourner. Moi, je voulais sauver la vie de Joe. Fait que j'ai lancé un canot de sauvetage. Le canot de sauvetage, c'était comme un cigare blanc à peu près, long de même, là. Avec une petite corde au bout. Là, je criais, c'est la corde, c'est la corde, c'est la corde! Il tire la corde. Là, ça flottait, moi, de dire. Mais il tournait pareil, il tournait pas mal, et Joe est disparu d'un égout. Joe était mort. Il y a juste la brosse à dents mauvaise qui était restée poignée dans le fond de la boîte. Et encore aujourd'hui, là, il faut que je regarde mon bébé qui se brosse les dents, là. Il m'a dit, maudit japonais! T'as eu peur, hein? Moi aussi. Imagine si ça fait juste tout que c'est là. Vous avez vu le proche le show, moi, de dire. Hein? Ouais, après les bêtises, il y a eu les motos. Puis après les motos, il y a eu les chars. Mais ça, à soir, les chars, je vous en parlerai pas. Non, non, je sais, il y en a qui sont venus voir le show en disant, hey, Barrette, c'est un gars de char, on va nous parler de char. Je parlerai pas de char. Pas parce que j'ai pas le goût d'en parler. D'après vous autres, j'ai-tu le goût d'en parler? Pas longtemps, juste une coupe d'heure, juste se mettre dans le vide un peu. Non, j'aimerais ça, mais je peux pas parce que s'il y a une journaliste dans la salle que je parle de char, je suis fait, hein? Oh oui, oui, parce que dans la tête des journalistes, tu peux pas être un gars de char et intelligent en même temps, ça se peut pas. C'est vrai, ils sont comme ça. Si t'es un gars de char, t'es complètement gorlot, c'est vrai. Ils me traitent comme ça. Éco-vedette, là, 3 mois. Scandale! Michel Barrette surpris dans un lavoto érotique. Michel Détlard voulait juste une tire chaude. Elle était pas chère, la tire chaude. Mais c'est pas de ma faute si je suis un gars de char. C'est parce que je viens d'une famille de chars. Mon père est un gars de char. Ma mère est un gars de char. Je suis né et j'ai été conçu dans un char. C'est pour ça. Mon père et ma mère se sont connus. Et d'ailleurs, j'ai été conçu grâce à un Oldsmobile 1956. Décapotable. D'ailleurs, mon père et ma mère se sont connus grâce au Oldsmobile 56. Faut que je raconte. 1956, mon père a 18 ans, OK? Petit t-shirt, paquet de cigarettes sur l'épaule, des petits cheveux comme ça. Célibataire, il vient de s'acheter son Oldsmobile 56. Rouge et blanc, décapotable. Les chars pas de capote, là? C'est pour ça que ma mère tombe enceinte, d'ailleurs. Mon père, il venait d'acheter son char, c'était le monde avait arrêté de tourner, c'était son char. Il se levait le matin, il l'avait 3 couches de cire, il embarquait dedans, mais il débarquait plus jamais.
monte la main, descend la main, monte la main, descend la main. Il débarquait même pas pour manger. Quand il avait faim, il allait les services à l'auto. Mais pas les services à l'auto comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, ça fait-tu dur, hein? McDonald's, Burger King, la boîte en tôle, Léon, pleine de trous, qui te parle, là. Quand ils sont chants avec ça. Non, 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 les services à l'auto des années 50 chez A et W. Ah! Hey, hein, ça, c'était pas une boîte en tôle, tu parlais, c'était une fille en mini-jupe avec des papas en roulettes. Ben, ce soir-là, la fille en mini-jupe, c'était ma mère. Mon père avait de l'automobile. Ma mère, il s'est battu en roulette. Elle avait deux lulus comme ça, petite jupe, c'est là. Elle m'a vu, elle est longue. Ma mère regarde mon père, elle dit, ouais! T'as un beau char? Mon père se passe un coup de bruit de cream, il regarde ma mère. Ouais? T'as des belles roulettes? C'est romantique, hein? Le coup de foudre. Quand ma mère a fini son chiffre ce soir-là, ma mère t'avait fait le parking comme ça, que c'est pas ta roulette sur l'épaule, elle s'en allait de même. Mon père lui faisait tour d'elle, le gaz au bout, la radio dans le fond, faisant crier, c'est à eux. C'est comme ça que le mâle attirait la femelle en 1956. Les gars s'en rappellent. Dans ce temps-là, t'arrêtes un char, tu montes le son de musique, t'ouvres la porte, là, plutôt les filles se collent après le char de même. Tout ce que mon père avait besoin de faire, c'est d'ouvrir la porte, monter le son. Là, ma mère a entendu. Only you can make my dream come true. Ma mère avec dans le char. Only you. Là, la porte du char a refermé pour plus jamais s'ouvrir pendant 40 ans. 40 ans ou 650 000 milles. Je suis né dans ce genre-là. Moi, je suis né au cinéparc de Chicoutimi pendant le film Blue Hawaii d'Elvis Presley. Non, mais imaginez la scène. Elvis sur l'écran géant, la cour pleine de chars des années 50 et en plein centre, la hausse mobile 56, mon père et ma mère enceinte de moi. Enceinte, enceinte. 9 mois et demi. Presque dû, là. T'sais, elle voulait pas y aller au cinéparc. Sur le dash, comme on dit. Mon père, il avait dit, inquiète-toi pas. Si tes contractions te pognent, le char est plein, j'embraye chez moi dans l'hôpital. Le char était plein, le starter a lâché. Ma mère commence à respirer, mon père sortait, moi je suis sorti corps et soutien, je joue au mobile. Ça marque un enfant, encore aujourd'hui, à chaque fois que je joue au mobile, je pourrais pas m'empêcher de dire « Maman! » Imaginez en plein milieu du cinépark, le bébé sur le siège, toi. Là, le monde s'applaudissait, ça lançait du popcorn. Même Elvis sur l'écran géant était content de me voir. Yeah. Un vrai gars de char était né. Là, ils ont appelé d'urgence, le towing est arrivé, mon père a coupé le coton médical avec une pète de pince qui barre. Non, mais ça, ta gueule, pareil, hein? Je suis né dans un Oldsmobile 56. Tu sais, tu as reçu du monde sur ton baptême, c'est marqué lieu de naissance, Oldsmobile 56. Je suis un Oldsmobilien. Non, mais pensez aux pauvres enfants aujourd'hui, là, qui sont pognés pour naître dans une Isuzu. Ou pire, une Firefly! Une mouche à feu! Je suis né dans une Firefly! Ça a pris une césarienne me sortir du char! Ça me fait pas mal un enfant dans la vie, hein? Mais les enfants d'aujourd'hui sont pas nés pour naître là-dedans parce qu'aujourd'hui, les vrais chars, ça n'existe plus. Parce que les vrais chars, avant une chose, là, c'était les chars des années 50, 60 ans. Hein? Quand t'allais t'acheter un char, dans ce temps-là, ils te donnaient pas une cochonnerie, ils te donnaient un char. En veux-tu du char, enveloppe, 22 pieds de long de tôle, pis de chrome, les gros chars, les belles couleurs, fuchsia, pis rose, pis vert, pis bleu, hein? Le volant large de même, le siège en avant. Ça met ta famille au complet, ce siège en avant. Le chien avait de la place courir en arrière en main, ça va être cool, le chien. Les vrais chars, les moteurs là-dedans, 300-400 forces de moteur. C'était 2000 au galon. Le gars, c'était 35 cents. Mais c'est du gars, mais en terre, parce que tu chattes, oui, non, t'as un 35 cents. Hey. Non, mais c'était des vrais chars. Tu sais, quand tu passais, là, les systèmes de son là-dedans, c'est radio à lampe. Tu l'ouvrais, puis ça jouait une demi-heure après. Mais quand ça jouait, tiens-toi bien, les vitres faisaient de même, tu sais, les haut-parleurs après ça, les aimants étaient tellement gros, là, quand tu passais sur un chemin de fer, les rails te suivaient, là, tu sais, là. Les vrais chars, tu rentrais dans ton quartier, ton char nu, les voisins t'applaudissaient. Là. Aujourd'hui, comme ça l'annonce à TV, la Golf GTI. Anne-Neuen, elle a dit quoi? T'as sué mon oncle!
Quoi? Tasse-toi, mon oncle? Mais que mon oncle débarque avec son Roadrunner 440, 70, 4 vitesses, là. Moi, tu vois y arriver dans ton petit miroir de GTI, mon oncle? Les grosses dents chromées que tu es, là. Mais qui pèse sur le gaz, tu vas dire, pardon, mon oncle. À moins une coupe GTI, un coup de gaz, un coup de vapeur, puis il ne plus, puis tasse-toi, là. Le Roadrunner sur le bas, puis tu grattes ça dans ta grille d'en avant, le vide. Ça passe ta cochonnerie dans le plus. Est-ce que quelqu'un d'autre y a une GTI dans la salle? Sauvez-moi que je parte ici. Non, mais c'est vrai que c'est gênant, même dans le temps. Les concessionnaires dans le de char dans le temps, il y avait de 2000 plus qu'aujourd'hui. Tu vois ça sur le boulevard? Non, mais il y avait des belles affiches. Hein. Ford, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile, Buick, des chars qui poussaient par en arrière, pas des cochonneries qui étaient par en avant comme aujourd'hui, là, des vrais chars, là, tu sais, là. T'arrivais, il y avait des ballons, des éclairages. Là, tu rentrais dans la cour, et là, dans le fond de la cour, il y avait quoi? Le vendeur de chars, hein? Dans ce temps-là, les vendeurs de chars, il y avait de l'air à des vendeurs de chars. La vie carottée, la chemise ouverte, et Joël, la poêle à travers le tas. Et ça paraissait qu'il voulait être fourré, là, tu sais, c'est comme... Ça fait quelque chose de rassurant, je trouve. Aujourd'hui, les chars d'aujourd'hui, là, tout le phénomène des chars, là, ils font plus les coins, c'est un rein, ils ont serré, comme... Tout en plastique, c'est en plastique, ça rouille pas. C'est net tout de suite. Faut sauver ce bout-là, en tout cas. Comme si tout rond de main, ça adhère à des jelly beans avec des vitres, là, tu sais. Là, le gars, la femme, ils viennent d'acheter ça, là, puis ils sont pas sûrs, pas en tout, là. Ils sont assis là-dedans, le volant en gris, le beau petit volant en gris, là, le chiteur gris, là, en plastique, le petit gris, ils ont pris gris, hein. Le choix gris, pas le gris foncé, tu sais. Puis tu l'as dans les deux, comme les lettres d'arrêter, là. Ils sont pas sûrs, nous, nos voisins vont rire de nous autres, dans le temps. Ils ont payé ça de plus de 5 maisons en 1970. Là, ils regardent la porte et c'est ça. Des fois, on se fait battre. Oui, ils mordent, nous autres. Ouais. Ils sont contents, mais ils ont plus de 3 francs. Eh, hey, Dieu en plus, ils sont du content. Ils ouvrent la toile, ils viennent bronzer une petite barre dans le fond, ils sont contents. Cochonnerie de char. Fait que les vendeurs d'aujourd'hui, ils sont venus vendre ça. Hein? Son écho de garage, avec une petite habit beige. Le cellulaire qui sonne jamais. Des fois, quand ils sont deux vendeurs, ils s'appellent. Là, ce qui se passe devant un concessionnaire, là, ils se vendent. Ah, nous autres, on a tout cuit, on a tout ça à vendre. On a jusqu'à là-bas. Non, non. Ah, non, non, c'est pas nous autres, On a jusqu'au bleu, là-bas. En face, là, ils en ont des pareils. Ils sont moins chers, en face. Ça fait qu'ils en vendent pas. Hein. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils nous vendent des chars à cette heure. Ils nous vendent des gadgets. Ah, on n'a pas de chars, mais on a le coussin gonflable. Le couillon, il sonne à la gueule à ça. Le coussin gonflable. Ben oui, 700 pièces de plus pour avoir une ballonne qui peut péter en pleine face. C'est le fun. Moi, j'ai pris le modèle à 12,95. Non, c'est moins cher, mais il faut que tu souffres toi-même. Non, mais faut que tu sais vite, c'est le gars de coupe. Non, mais c'est dangereux, cette cochonnerie-là. Je t'entends quand j'ai dit, ça hausse en barre, là. Hey, pour s'y résumer, on marquait Molson Drive dans le fond, ça me tente pas bien. J'ai tellement peur de ça, je suis rendu, je trouve, avec mes pieds de main, va-t-il en arrière. Non, mais l'autre niaiserie. L'ABS. J'ai-tu cherché à savoir qu'est-ce que ça voulait dire ABS? C'est marqué sur le tableau de bord ABS, c'est le vendeur du bord de ça. Ça, c'était cœur. Ah, ça, c'était cœur. Ça, ça m'a dit de la pluie, de la neige, la stoche, la glace. Il n'y a pas de problème, c'est l'ABS. J'ai dit, je veux bien croire. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire ABS. C'est marqué sur le tableau de bord ABS. Il dit, bord de pression, bord de pression. T'aimes ça, dans le lac Saint-Jean? Oui. Amène-le le pas des Laurentines, amène-le des tempêtes. Il n'y a pas de problème, t'as l'ABS. Justement. Je m'en allais dans le pas des Laurentides. Il faisait tempête. La neige, la slotch, la glace. Il tombait des bonhommes de neige, j'en ai vu un bout, là, tu sais, là. Je m'en allais dans le parc 140, 145, là. Ben, je fais pas les plus vite de voyager en avant. Il y avait une grosse vanne en avant. Je vais m'envoyer de la neige, je vais m'envoyer de la glace. Il y avait la vanne, il y avait l'OBS. Il y avait la vanne, il y avait l'OBS. Je me demandais, qu'est-ce que ça veut dire, OBS? La vanne brique. Ah, oh, ben, sacrement.
qu'est-ce que ça veut dire, OBS? Cochonnerie d'OBS, cochonnerie de cousin gonflable, cochonnerie de petit char d'aujourd'hui. Ici, pour ce qu'à soir, je vous parlerai pas de char. Je raconte quelque chose. La semaine passée, j'étais dans un bar. Tranquille, début de soirée, presque pas de monde. Je suis assis seul dans le coin, je fais un petit billet tranquille. Un petit billet de pas chez nous. À un moment donné, qu'est-ce qui rentre dans le bar, une fille? Toi, là, peut-être qu'elle va dire toi, là. Toi, je sais pas, je t'ai vu à TV, je trouve que c'est quelque chose. Je sais pas, mais regardez-moi, dis toi, là. Toi, j'ai peut-être qu'elle va dire toi, là. Toi, j'aimerais ça faire l'amour avec toi. Tu sais, ça se peut. Pas souvent, mais ça aurait pas arrivé quand même, parce qu'elle me regarde, moi, dis toi, là. Tu es allé à l'école avec ma mère. Ben oui, ça se peut. 40 ans, 18 ans, 22 ans de différence. T'es sûr, Hubert de Galaxamé? Je pourrais être ton père, ce pays-là, moi. Si il m'est arrivé, moi, je me suis couché hier avec 17 ans, je me lève un matin, 40 ans, de blond, 3 enfants. Je me couche plus, moi. Non, mais comme on m'a levé, me mettait pas quoi, 77, 107? Bon, de ça, j'ai même pas 40 ans. Moi, j'ai 17 ans dans ma tête. C'est vrai, j'ai toujours eu 17 ans. C'est vrai, j'aime ça avoir 17 ans. Un jour, j'ai eu 17 ans, je suis resté là. Toi, c'est une belle âge, 17 ans. C'est vrai, c'est le fun. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, la preuve que j'ai encore les 17 ans, c'est que je joue encore avec mes petites autos. Dans les gros soucis, mais j'aime mieux les petites. Non, mais les petites, mettons, tu veux faire un accident, là. Tu prends ta petite auto, tu la mets debout, tu prends un marteau, paf! Ça me fait un bel accident, ça met ta tablette, c'est beau. Mais les grosses autos, tu fais ton accident, là, il y a la monsieur ou la madame de la police qui vient t'écœurer, t'allais tu bien vite, t'étais-tu bien chaud, même bon, tu fais. C'est vrai, j'ai 17 ans, mon plus vieux à 13 ans, donc dans 4 ans, on va avoir le même âge, on va être correct. Ah, déjà qu'on est bien proche, on a quasiment le même âge, on s'entend très bien. Pas tout le temps, là. Ils sont drôles des fois, les enfants. 13 ans. L'autre jour, on écoutait moi et l'autre. C'est vous ce qu'il m'a dit? Il regarde la TV, il dit pas. Il dit, tu vois elle? Il dit, s'appelle Dominique Michel. Il dit, elle a l'air jeune, hein? Mais elle est encore plus vieille que toi. Il dit, elle, avant, là, elle faisait des émissions de rénovation de maison. Là, ça s'est dans le comique, je pense qu'elle va être bonne. Observateur, lui, sur 20 ans, un autre petit jeune qui commence, ils vont des champs, lui-ci, pour être pas payé s'il voulait. Non, mais c'est vous ce qu'il m'a demandé l'autre jour. Il dit, papa, t'es un artiste? Je dis oui. Il dit, es-tu déjà sorti avec la poune? Je dis oui, papa, t'es sorti de la poune, mais juste le jour, pas le soir, parce qu'elle était trop jeune. Son père voulait pas qu'elle sorte le soir, juste le jour, ouais. Puis dans ce temps-là, en même temps, ma soeur sortait de Napoléon, à peu près en même temps. On sortait ensemble des fois, ça. On allait chez Jules César, pis ça. Ah oui, c'était le fun. Oh oui, papa, quand t'étais jeune, il n'y avait pas un petit chien. Il y avait un dinosaure, calice. Dans un domestique, tu sais que diamant vie, arrache, rapporte, sortait les hordes. Puis tu peux faire il y a 40 ans, pas 1000 ans, 40 ans. Non, vous sentez, c'est tantôt d'être une jeunesse, c'est jeunesse, c'est jeunesse. Tu as eu une jeunesse aussi, mais t'as pas eu une jeunesse, ça? Ah oui, il m'a dit, en affaire, je changerai pas ma jeunesse contre la sienne. J'ai fait des niaiseries quand j'étais jeune, moi. Lui, qu'est-ce qu'il fait avec sa jeunesse? Alors, bien pas tout. L'ordinateur est toujours l'ordinateur, il est toujours dans sa chambre, l'ordinateur, tout le temps, tout le temps. L'autre jour, je dis, viens, garçon, sors les hordes un peu, va prendre de l'air. L'ordinateur. On n'avait pas l'ordinateur quand j'étais jeune. Moi, on avait le Light Bright, par exemple. C'était aussi dur. Moi, tu sais, que tu donnes dans tes couleurs à bonne place, c'est pas trop évident. Tu vois ce que j'ai trouvé dans sa chambre l'autre jour? Un condom aux fruits. Ça peut pas être à lui, il en mange pas de fruits. Un condom à pizza, j'aurais pu croire. Oh oui, parce que lui, sa vie sexuelle, hein. Jamais trouvé un Kleenex en dessous de son lit. Moi,
moi à son âge, dans le même été, là, je t'ai fait le coup de 4 fois. Toi aussi? Le tennis, c'est beau, Gabelle, là? T'es dû pour une raquette, moi, dire, hein? Non, mais j'ai tout essayé, c'est en valeur, j'ai le sang de mon sang, la chair de ma chair. Je dois avoir quelque chose qui me ressemble là-dedans. Je dois avoir un gars de char en dessous de ça. Oui, tiens, moi, l'allumer, moi, l'amener au Grand Prix de Montréal. Je l'amène au Grand Prix de Montréal. Je paye tout l'entrée, le pop, comme moi, bien assis, pis tout. Je checkais les courses. Lui, il regardait les airs. Je dis, tu fais là, c'est pas les airs, la course est en bas. Il dit, regarde la pollution que ça fait. C'est pas important, ça se peut de boucan, ça va par là. Et oui, il se fait là, regarde la course, ça c'est le fun. Il dit non, je trouve ça niaiseux. Comment je trouve ça niaiseux? Il dit oui, il trouve qu'il risque de lui vivre pour rien. Je dis, il risque pas de lui vivre pour rien. Ces gars-là, ça peut devenir millionnaire, ces gars-là. Il dit, à quoi ça sert d'être millionnaire? Si c'est un accident, tu restes paralysé. Je dis, millionnaire paralysé, puis t'as une crise de chaise roulante. Ça ne rien n'empêche que l'autre jour dans le bar, moi, vous avouez, quand la fille de 18 ans m'a dit ça, là. Je suis venu dans ma semaine, je suis levé carré dans le bar, je suis passé à coke chez nous, je rentre chez nous, je dis à ma blonde, Chantal, me trouves-tu vieux? Est-ce que c'est que t'as là, t'as-tu eu des problèmes avec ta réunion au bureau? C'est ma réunion au bureau. Ah, ma réunion au bureau. Non, mais pendant la réunion, je me suis demandé ça, madame, je sais pas pourquoi, me trouves-tu vieux? Elle dit non. Mais... je suis sûr qu'elle me trouve vieux, moi. Moi, j'ai 40, mais elle a juste 30 ans, hein. Là, moi, j'ai de l'air à capoter parce que là, j'en parle puis je m'énerve un peu, mais dans le fond, ça me fait rien. C'est vrai, des gars, nous autres, on est comme ça, vieillir, ça ne nous dérange pas. C'est vrai, j'ai 40, je pourrais avoir 70, heureusement, j'ai 40, mais on a 40, non, 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 mais c'est vrai, les gars, hein, vieillir, ça ne nous dérange pas. Hein, les gars, hein, nous autres, vieillir, hein? Ah, merci, les gars, vous êtes gentils d'avoir... Alors que vous autres, les femmes, ça vous dérange, hein? Ça, c'est comme quelque chose de pas mal compris, hein, c'est... Non, mais il y a des preuves quand même. Il y a des preuves que les femmes, ça les dérange. Nous autres, ça ne dérange pas. La pharmacie chez nous, mettons. Mon côté à moi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Aftershave, la pote là-dedans, même pas de brosse à dents. Regardez là-dedans. Bablon, sa pharmacie. Un champ que tu au complet. À tout, dans les crèmes de jour, les crèmes de nuit, des cocombes, les yeux, à tout. Tout est naturel. On peut tout en manger de ça, si tu veux. C'est tellement bon. Ça vient de Californie. C'est bon, quand c'est marqué Californie dessus. C'est bon. Et tout, là, va se mettre des affaires. Là, le soir, là, en chambre, là, cette chute, là, même les petites éponges, là. Dans sa cuve de poche, avec les diables. Là, il faut qu'elle trouve un pli, une ride. Ça va être la crise, c'est sûr. Hey, nous autres, les gars, hein? Des plis pis des rides, hein? Chose en bas, là. E.T., là. Non, veux-tu des plis pis des rides, toi? T'en as 100 ans plus vieux que son âge. Pourtant, on va en montrer à tout le monde, hein? Rien n'empêche que toujours dans le bar, je sais ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû dire, mademoiselle, quel âge avez-vous? 18 ans. Moi, j'ai 17 ans dans ma tête. T'es trop vieille pour moi. Signez votre don d'organe. Laissez vos mains dans les airs, s'il vous plaît.
Non, je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Si je reste sur un bras pour applaudir, je pense que ça va peine d'applaudir les autres. Bravo, hein? Non, une dernière fois, je vais voir tous ceux dans la salle qui ont signé le don d'organes, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont signé. Vous avez tous signé votre don d'organes. Enfin, je ne sais pas où vous avez signé le mien. Donnez-moi ça en masse, on est correct. Hein? Trop de me passer, mais donné, ils n'auront pas quoi faire avec. Non, non, je vais signer, je vais signer. Oups, il ne marche plus. Non, je vais sûrement signer, je vais signer, mais juste une affaire. Mettons que je. Mais, je vais signer. Mais mettons que je signe mon don d'organes, dont je donne mes organes, hein? C'est pas mal ça que ça veut dire, hein? Donc, ils peuvent les prendre, hein? Quand? Quand t'es mort, j'espère, quand t'es mort, oui. Mais justement, mort! Si, t'es mort, là! Mort, là! Qu'est-ce qu'ils font, ils t'offrent une bible, si t'apprends pas ça, t'es mort? Comment ça marche, je veux dire? C'est sûr, si la tête est à 100 pieds du corps, il y a des grosses chances que tu sois mort, là, mais si tous les morceaux sont pas mal à la même place, là, qu'est-ce que tu fais pour être sûr que tu es mort? Y a-t-il quelqu'un qui prend mes pieds dans la salle? Y a-t-il quelqu'un, quelqu'un qui connaît les organes? Y a-t-il une danseuse dans la salle, quelque chose? Donc, ou mieux, est-ce qu'il y a un policier? Policier, policière? Un policier, une policière? Tout délai, quelqu'un, c'est pas grave. Hein, ils vont me donner de l'argent si vous le faites, anyway. Non, c'est. Il y en a, hein? Un beau bain chaud! D'habitude, il y a 3-4 qui se garochent dans ce temps-là. À moins qu'il n'aille pas, s'il y en a, connaissez-vous des policiers? Faites-moi chien, hein? Ça serait le fun, un policier. Oui, c'est le fun de recevoir un chèque, je sais. Il est où? Faites-moi juste. Hein? T'as rangé M. Les gens de rangée M, identifiez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que c'est où, la rangée M? On va aller voir. Une policière en plus, ça, j'aime ça. Attends, ben, tu vas la regretter, toi. Une policière en rangée M. Est-ce qu'on peut s'identifier, s'il vous plaît? Policière, rangée M. Bonjour, mademoiselle, ça va bien? Et je suis content. On l'applaudit, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Est-ce que c'est votre conjoint? C'est votre conjoint, vous êtes monsieur? Ton prénom, c'est quoi? André. Non, pas ton matricule. Ah, André, OK, oui. Vous êtes policier à quel endroit? À Montréal. À Montréal, la CUM? J'adore la CUM! Je les adore! La CUM, c'est embêtant pour moi, t'as pas... Val-d'Or, ça te tentait pas, non. La CUM, ah non, mais là, je pensais que j'allais te niaiser. Hein. Jamais. Oh, jamais. J'avais peut-être qu'il y a des humoristes qui niaisaient pas les soeurs. Jamais. Moi, ça me lève le cœur. Oh, oh, que j'haïs ça quand ils vous appellent les bœufs. Oh! D'abord, je sais c'est quoi, moi, des bœufs, je viens de la campagne, en fait. Mauvais ski, la différence qu'il y a entre des vaches et les bœufs. OK, vous allez comprendre. Les vaches, ils regardent passer les trains, puis les bœufs, ils regardent passer les chars. La différence, c'est que la vache, elle ne part pas après le train quand il est passé. Là. Non, je la niaiserai pas, même si je la niaiserai, elle ne comprendrait pas pareil. Non, dans le sens, vous comprendriez pas pourquoi je vous niaise, c'est quand même un policier, on en a besoin, c'est important, je sais pas pourquoi, mais on en a des fois besoin, je faire quelque chose, des appels, je sais pas, moi, c'est... Non, mais je veux m'expliquer, parce que ce qui nous intéresse, c'est les dons d'organes. Comment ça marche au juste, tu sais? Mettons, vous arrivez sur un accident, OK? Il y a des morceaux partout. Qu'est-ce qui vous dit que c'est à moi, ce morceau-là? Faut que je le fasse bruiner, quelque chose? C'est ça, les opérations dominantes? Non, mais mettons, t'arrives sur un accident, OK? Vous arrivez sur un accident... Là, maintenant, tu rentres dans le char. Tu sors le permis de conduire, t'enlèves le 5 là-dessus. Là, tu checks ça, je peux le prendre, toi, je peux pas le prendre. Les arrachez-vous sur place, les morceaux, maintenant, vous faites ça. La tête, t'arrachez ça, ta main, vous êtes à moi, là. Avez-vous des concours, quelque chose? Puis, je ne sais pas, un nez, 200 points, un point. Pouvez-vous gagner des voyages? J'espère que non, s'il faut qu'ils gagnent des voyages. On l'applaudit, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Si on est fait, imagine-toi, ça va être quoi les accidents après ça, hein? Ils vont courir dans le fossé. Hey les gars, j'ai trouvé un poumon! J'ai 2000 points! L'autre avec son fouet dans les mains. Je m'en vais au Mexique! Je m'en vais au Mexique! Je t'imagine très bien, toi. Dans le fossé, il y a un intestin dans les mains. Hey les gars, un intestin, c'est combien de points, ça? C'est pas de points! Oh fuck, j'ai pas tout déroulé sur bordé, moi. Ça m'inquiète un peu. À part de ça, je dis qu'on ne va pas être ça à la donner. Les animaux pourraient être un peu. Une vache, 4 estomacs. Ça me comprend pas un petit peu, hein?
suis allé à l'écurie l'autre soir, là. J'ai vu un étalon. Je dirais pas non, moi. Non, non, je veux pas dire par là que c'est tous des animaux qui peuvent donner. Tu sais, je sais pas, moi, tu te ramasses avec le cerveau d'un hamster. Tu passes le reste de tes jours à courir dans ta cheveuse de main, là. Non, mon père, passons, hein, on signe notre permis de conduire, ah ouais, on donne nos morceaux. Hé, hey, qui va ramasser ça, ces morceaux-là, vous devez penser, hein? Qui va avoir ça après? Les mélanges comme ça, là. C'est pas tout nécessairement compatible, ces mélanges-là. Là. Non, mais imaginez un mélange. Imaginez, genre, un drogué sur l'acide qui se ramasse avec les yeux de Jean-Luc Mongrain. Il va-tu les voir, ces bébêtes, tu penses, ouais? Oh! Je sais pas si mes petits souhaits sont permis. Hein. Non, je t'attends ça demain. Non, parce que quand même, nos morceaux valent quand même assez cher. Hein. Je sais pas si vous avez déjà regardé en arrière de votre police d'assurance combien valent nos morceaux. Si c'est marqué un bras, une jambe, 10 000, un pied de main, 5 000. Hier, on a calculé ça. Là. Un bras, une jambe, un pied, un orteil, j'ai une BM flambe en neuf. Un orteil de plus, je vais l'acclimatiser. Maintenant que ça commence à le tenter, hein? Mais c'est un pensier-y bien, t'sais. Imagine-toi ton flou qui va après toi ta tondeuse parce que tu peux s'acheter un bécis pneu, ben... Pour ça, qu'est-ce qu'on donne, hein? 40 ans, moi, là. Pas toute neuve, ça, là. Hey! Non, mais il y a des morceaux que je peux plus donner, moi, ouf! Tu sais, je sais pas, comme mon foie. Je viens de sonner avec Saint-Jean, moi. Ouf! On dit que c'est un gars de Montréal qui tombe avec ça, va tomber chauvette dans ta barouette, hein? Non, non, mais tu sais, t'es habitué à la grosse pièce, ça, là. Faites assez rire, vous avez vos petites pièces. C'est drôle de piquer des petites affaires de même, hein? Vous pouvez voir comment ça, des petites pièces? Nous, on donne ça aux enfants de déjeuner, les pieds de même. Je mets ça dans un céréal, quelque chose. Vous me faites rire, le bord de Montréal, hein? Avant-hier, il y a un gars de Montréal. Il dit, hier, mais spectre à fraise, mais spectre à fraise. Je reviens là, pas être une fraise, pas être un bleu, hein? Ça, c'est dur. Tout le monde se donne l'extérieur, c'est bleu, hein, dans la salle à soir. On va faire une tarte, on a assez. Non, je peux pas donner mon foie, vous êtes d'accord, ça, c'est pas un cadeau à quelqu'un. T'sais. Mais je pourrais donner d'autres choses, c'est pas mes poumons. Jamais fumé de ma vie, jamais fumé de ma vie. Pas de mérite, jamais que jamais commencé. Mais ma grand-mère, pourtant, elle a fumé. Ma grand-mère, une usine, tout le temps, la boucane qu'elle sortait, tout le temps, fumait. Ma grand-mère fumait tellement que le détecteur à fumée dans la maison chez mon grand-père, il avait plugué à l'envers. Tant qu'il recevait de la boucane, il était correct. Aussitôt, il y aurait d'un à savoir, mais là, elle a caché les cigarettes en course. Ah oui, parce qu'elle fumait par choix. Ah, ma grand-mère, c'est un choix qu'elle avait fait. Ma grand-mère fume pas, fière, ma grand-mère. Elle est toujours fière, toujours la belle robe jaune. Les doigts jaunes, les dents jaunes, fière. Mais à la fin, c'est rendu que ça faisait pas de bien. Hein. Ah non. À la fin, c'est rendu que quand elle touchait, là, ça faisait comme du pitch chez poumons. Ça sentait bon. Oh, mon grand-père, l'automne, il a 10 cents autour de char. Ouais, tous, c'est bon pour la tiroir. Ouais, tous. Tiens, un beau geste. Pour grand-maman, je signe mon permis de conduire. Êtes-vous fier de moi? Vous savez, tant qu'à donner des morceaux, c'est aussi bien d'en donner des beaux, hein? Et c'est pourquoi je signe Rock Voisine. C'est fin, mais je veux jamais dormir. Vous remarquez? Peu importe l'heure que tu couches, j'ai jamais assez tard. Ok, papa, quand t'as tout, ok, t'as tout, ok, quand t'es gueule, t'as neuf, le gros t'es en haut, ok, hein? Ok, quand tu t'es gueule, t'es en haut, ok, hein? Ok, hein? Ok, hein?
pas donc dire non à ça, toi. Fais tout, tu t'endors dans le salon, puis tu joues que 2-3 heures du matin. Non, on les aime pareil, on les aime pareil. Moi, j'en ai trois. J'ai Olivier, 13 ans, Martin, 5 ans, puis l'autre, Nicolas, 3 ans. Trois gars. Les trois gars. Je suis un fils de gars, hein, des gars. Non, je les aime, je les adore. Je les aime égal. Égal, c'est trois, partout. Il y a peut-être juste Martin, une petite niaiserie de plus. Ah non, pas grand-chose. Les autres ne peuvent pas s'en apercevoir. C'est gros de même à peu près. C'est une niaiserie de plus, juste parce que lui, c'est le seul des trois que j'ai vu naître. J'ai assisté à l'accouchement. Et c'est spécial, hein. Je sais pas s'il y a des femmes dans la salle qui ont assisté à l'accouchement, là, mais c'est comme Ah non, j'ai même coupé le cordon ombilical. J'ai séparé l'enfant de sa mère avec une paire de ciseaux d'hôpital à 12 piastres. Puis moi, me séparer de sa mère, ça coûte 90 000 à peu près. Mon beau Martin, il peut bien t'amener ton petit jus de pomme raisin à ta petite paille tout croche, là. Fais des bouts de dos, mon amour, OK? Fais de dos. Quoi? Ah non, 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 pas ce soir. Non, papa te l'a dit une fois, tu t'es quatre de dos. Mais ça fait juste deux de dos, il te manque deux de dos. Non. Oh non, non, papa, pas faire ça des soirs, papa est trop magané, 40 ans, trop fatigué. Non, 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 il manque deux de dos. Oh non, non, non. OK. Mais le trois bonhomme a six de dos, qui est promis, six de dos, promis, promis? Promis, OK. Frappés par les chars, puis un bon soir, ils sont tous mis en ligne avec le ligne blanche dans le dos, puis ils ont fait prendre de l'eau aux chars. Tu ne payeras pas de piment, tu ne payeras pas de piment. Fais de dos, mon amour, fais de dos. Quoi? Ah, ben oui, ben oui, tu peux peut-être un gros, ben oui, non, papa, pas facile, peut-être un gros. Gros comment? Gros comme ta chambre, gros comme ta chambre. C'est pas assez gros? Gros comme la maison. C'est pas assez gros? Gros comme le ciel du plafond du ciel, du plus gros du ciel, OK? Non, gros comme le déficit. C'est pas c'est quoi, c'est gros. Gros comme un oncle Rémi, c'est ça, c'est gros comme un oncle Rémi. Fais des bouts de dos. Quand papa va fermer ta petite lumière, puis tu vas faire des bouts de dos, OK? Pourquoi papa ferme la lumière? Vous sauvez le courant. Il tristé. Pourquoi? Ben parce qu'elle n'aura plus une rebut. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est ça. C'est pas assez, mais papa va t'expliquer autrement. C'est, mais si papa est dans cette lumière, là, c'est comme si papa prenait des sous comme ça, là, puis toute la journée, papa laissait tomber des sous. La lumière ouverte, la lumière, la vidéo, la laveuse, la sécheuse, le poêle, le frigidaire. Toute la journée, papa, comme ça, il lancerait des sous dans le grand lac du Gros-Québec. Non, papa ne peut pas aller les chercher, les sous, après, parce que les requins d'hydro vont manger les bras, papa! Ah oui, parce qu'ils savent, hein? Quand papa y allume une lumière ici, ça lui donne une lumière, là-bas, ah oui. Papa, il n'a pas sa carte d'indien, il paye son courant, du papa. Là. Alors, veux-tu faire l'amour on veut-tu faire de double amour de Dieu? Non, non, répète pas ça à tes professeurs à l'école, papa va être en marre. Pour l'amour de Dieu. C'est qui Dieu? Dieu? Non, non, non. Dieu? Dieu est un être tout puissant. Comme papa au lit. C'est ça, Dieu y ronfle, c'est ça. Dieu y ronfle, il vit dans un beau bungalow paradis.
C'est quoi le paradis? Ben tu sais, le paradis des enfants, c'est Toys R Us. Puis les parents, Toys R Us, c'est l'enfer. Quoi? Ah non, 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 papa, on va pas te raconter l'histoire de Batman avant de te coucher. Non, papa te l'a dit, Batman, c'est trop violent. On fait des gros cauchemars de Batman. Non, 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 non. Non, trop violent avant de te coucher, Batman. Pas d'histoire de Batman. Non, non. À place, papa va raconter une belle histoire comme nos papas et nos mamans nous racontaient quand on était jeunes. Ça, c'était des belles histoires, hein, dans des livres d'histoire. D'ailleurs, papa doit l'avoir encore quelque part, son livre d'histoire. Attends un petit peu, ça. Ah, c'est un livre. Pas une vidéo, là. Un livre. Il y avait des mots écrits dessus. Ah, ça, c'est une belle histoire. Écoute bien ça. Hansel et Gretel. Il était une fois deux petits enfants qui s'appelaient Hansel et Gretel. Et les parents d'Hansel et Gretel, ils les aimaient plus du tout, du tout. Alors, ils décidèrent d'aller les perdre dans le bois. Mais, dans le bois, il y avait une belle maison de pain d'épices. Ça, c'est une belle maison et toute pleine de bonbons collés dessus. Et dans la maison, il y avait une sorcière. Et lorsque la sorcière voyait des enfants, elle les prenait, elle les enlevait, elle mettait une marmite, elle faisait bouillir, elle les coupait, elle les tuait, elle les mangeait, elle les dents. Arrête de pleurer, arrête de crier, non, 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 Chantal, ça va très bien, Chantal. Non, crie pas comme ça, papa, c'est tombé l'histoire, faites compte une autre histoire, ok? Ah, ça, c'est une belle histoire, tu vas aimer ça. Blanche-Neige et les sept nains. Papa, elle la connaît par cœur, celle-là. Il était une fois Blanche-Neige qui vivait avec sept petits nains qui étaient juste la bonne hauteur. Puis des fois, le samedi, « Hi-ho! 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 » On n'a pas d'accord d'une autre histoire, OK? Une autre histoire. Mais demain, OK? Demain, on va dire une histoire demain, OK? Fais de dos en attendant, fais de dos, OK? Quoi? Non, 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 il n'y en a pas de méchants dans ton garde-robe, il n'y a pas de méchants dans tes tiroirs non plus. Mais on peut pas te le dire, hein? Papa, les méchants, ils ont pris les méchants, ils ont passé dans le blender, puis ils ont collé dans le truc à vidange. Non, papa, il s'excuse, c'est pas, on dit pas ça. On dit pas truc à vidange, on dit camion à vidange. Fais de dos, mon garçon, fais de dos. Pourquoi? Parce que c'est la vie. C'est quoi la vie? La vie, garçon, la vie, là. La vie, c'est tout ce qui bouge. Non, quand ma main est pas morte, t'es paralysé, c'est pas pareil. Dans la vie, garçon, là, la vie, c'est ça, t'sais. La vie, c'est un monsieur, une madame qui font des enfants, qui font la vie. La vie, c'est ça, c'est un monsieur, une madame. La vie, là, la vie, garçon, là, la vie, là, c'est ça. Non, c'est pas Jojo, c'est la vie, ça. Papa va t'expliquer c'est quoi la vie, OK? La vie, là, c'est ça. Oh, bonjour, mademoiselle, je suis venue souvent ici. Oh, la musique est bonne, hein? Est-ce qu'on va danser? On va danser. Oh, j'aime ça danser avec toi. Est-ce que je te paye un verre? Je te paye un verre. Ah, oh, j'aime ça prendre un verre avec toi. Ah, oh, c'est fun. Est-ce qu'on va s'asseoir ensemble? On passe s'asseoir ensemble. Est-ce qu'on va chez toi? On va chez moi? On va chez toi. Ah, j'aime ça chez toi. C'est beau chez toi. Est-ce qu'on se sent à l'eau? Oh, j'aime ça être sur le salon avec toi. Est-ce qu'on va aller voir? Faire moi, j'aime ça faire avec toi. Ah, oh, est-ce que je resterai toujours avec toi? Est-ce que c'est le fun? Est-ce qu'on s'installe ensemble? On s'installe ensemble parce que j'aime ça avec toi, n'importe quoi. Oh, j'aime ça dans la maison. Est-ce qu'on se fait une maison? On se fait une maison. J'aime ça dans la maison avec toi. Oh, est-ce que je t'aime? Est-ce que c'est le fun? Ou est-ce que t'es dans moi? C'est sûr que tu ne tombes là, jamais cet argent dans un mec raté. C'est gardé, c'est ça la vie. Si maman te demande c'est quoi la vie, dis-y pas, OK? Thank you.
décidé de mettre du piquant dans notre vie sexuelle. Je pense que je viens de faire un bon bout de là. Les gars, je pense facile d'enseignement. Il fait 2 mois que je m'en pratique dans la chambre de neige chez nous. J'avais assez peu de me faire pogner. Il y a Martin qui m'a pogné. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais là? Papa fait des crises d'épilepsie dans tes enlèves. On a décidé de mettre un petit peu de piquant dans notre vie sexuelle. Pas vraiment parce qu'on avait des problèmes de vie sexuelle. Non, on n'avait pas de problème de vie sexuelle. On n'avait plus de vie sexuelle. Non, c'est pas parce qu'on n'avait pas essayé. Pourtant, on avait tout essayé. Même des positions différentes comme moi par-dessus elle, elle par-dessus moi par-dessus elle, pas là. Après, toutes les positions. Mais ça marchait pas. On dirait que ça fait longtemps que t'étais avec la même personne. On dirait que ça se perd. Hein? On dirait que t'as moins de goût quelque chose. Ah, peut-être qu'on devrait essayer d'autres places dans la maison, pas toujours dans la chambre, le samedi soir. On a essayé d'autres places. On est le grenier, le sous-sol. Moi, j'ai bien aimé l'armoire à balai. Non, c'est chaud là-dedans. C'est tout petit, tout fait noir. Ouais. J'ai arrêté parce que si demain, je faisais l'amour d'aspirateur, je m'en étais pas perçu. Oui, j'ai le petit sac, ouais. Là, ma blonde a dit peut-être qu'on devrait commencer pour se repéper, peut-être qu'on devrait prendre des substances, quelque chose, c'est pas de la drogue, là, mais comme du ginseng ou des choses comme ça, là. J'ai acheté 2 gallons de Spanish Fly, là. Waouh, et je courais tout nu au plafond, tu sais. Mais je sais pas si c'est bon, hein, jamais de garde ma poignée. Là, elle dit peut-être que c'est peut-être parce qu'on se connaît trop, si on s'est trop vu, on n'a pas de surprise. Elle dit peut-être qu'on devrait commencer à s'acheter des petits kits, de la lingerie, quelque chose, hein. Fait que je suis allé magasiner. Non, au début, c'est pas ça que j'avais pensé, pantoute. Non, au début, j'avais pensé juste à la petite bobette en coton. Tu sais, là, avec le piment rouge en avant, là. Tu sais, j'imaginais dans la cuisine, en bedaine, en train de faire « Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. » Mais il était pas cordé dans la petite bobette, fait que j'ai pris ça. Quand le vendeur m'a vendu ça, il a essayé de me vendre la petite canette de Tana, là. Le push-push protégé de cuir, là. Puis la fille, moi, je m'habille demain, m'a protégé d'autre chose, ouais. Sauvé 12$, puis, ouais, mais comme ça, ça m'a coûté 1500$. Ouais, 1500$, mais c'est du beau cuir, je te dis, c'est vrai. Mais, j'ai le doigt gratis avec ça au tatouage puis au body piercing. Ça, le tatouage, je l'aurais jamais pris. Hey, tatoué, c'est pour la vie, tu sais. Mais un fou d'une poche, c'était gratis, je l'ai pris pareil. Non, non, il y avait beaucoup de choix, par exemple. Il y avait un mur plein de choix. Il y avait le petit bateau, parce qu'il y avait les palmiers. Moi, j'ai pris le petit cœur. C'est un petit cœur tout petit. Il est rouge. Ça n'a pas tellement long, parce que c'était pas tellement gros. Il est rouge, il était vrai haut comme ça. Large de même, il est en forme de cœur. Il est d'autres même, après. C'est un tout petit cœur. C'est le monde qui se font mettre des pins, tu sais, dans le nez, puis ils arrêtent, puis après, elle est, puis tout. Mais il m'a dit de la grosse, grosse mode d'astincite, là, ça doit se faire passer le... Oh! Puis je laisse faire une maquita sans fil à la maison, je ferais ça tranquillement après-midi. Comme j'ai pas pris le body piercing, j'ai droit à un billet pour aller dans un party sado-mazo. Et ça, c'est spécial, hein, j'ai pris ça. Ma blonde n'avait pas vu le ticket encore, fait que j'étais là en cachette, je me suis mis l'imperméable, j'étais allé là, un party sado-mazo. Hey, imaginez, 150 personnes d'une maison, tout le monde habillé de même. Il y en avait des pieds, il y en avait des pins de fer sur la tête, des chaînes partout sur la maison. Mais le problème, c'est que c'est sado-mazo. Mais c'est pas marqué dans le fond, son sado-ben-mazo, tu sais. Fait que faut que tu devines. Celui que j'ai rencontré au deuxième étage, lui, c'était évident. Il était à peu près grand de même, il était habillé comme ça, il était debout en face de moi, il disait « Fais-moi mal, fais-moi mal, fais-moi mal! » Pas! En pleine face. Je sais pas s'il est venu, là. L'ambulance est venue, là. Non, j'ai pas aimé ça. J'ai pas été élevé de même, moi. Là. Je veux dire, non, mes parents étaient pas portés là-dessus. Ils m'ont dit que si ma mère me voyait de même, là. On avait même pas un divan cuir chez nous, c'est avec ma Ah non, mes parents n'étaient pas portés sur ces affaires-là, eux autres. Mes parents faisaient plutôt l'amour quand c'était le temps d'avoir des enfants, sinon c'était bien rare, t'sais. Ma mère avait la méthode de contraception, c'était la méthode Ogino. Je sais pas si on a connu ça, la méthode du calendrier. T'sais, ma mère apprenait sa température à tous les jours, comme ça elle savait quel jour elle était féconde, quel jour elle n'était pas. Elle tenait un calendrier, elle faisait des ronds autour des dates qu'elle pouvait. Fait que mon père, il savait, il regardait le calendrier. Un petit rond, il pouvait, pas de petit rond, il séchait.
pauvre mon père. Je le vois encore la nuit. Il se levait en cachette en bobette avec son crayon feutre. Nous autres, on avait du fun avec ça, maudit. Mon père avait de l'air bête. Pff, deux petits ronds, on venait de bonne humeur. La plus jeune de mes soeurs, c'est moi qui l'ai faite. Non, c'est moi qui ai fait le petit rond. Là, j'en ai parlé à ma blonde, elle dit, voyons donc, ça, c'est en affaire des années 50. Elle dit, aujourd'hui, des moyens qu'on a, elle dit, on peut faire l'amour. Quand on a le goût de faire l'amour, ça nous tente, on le fait. C'est pas toujours évident, tu sais. Ben, quoi que, l'autre soir, on est en train de souper. Moi, j'ai du rose beef. Non, c'est pas ça le but excitant, c'est ça. Il y avait le rose beef, les patates, la sauce brune, les pois verts, le vin rouge, la chandelle. À un moment donné, j'avais une bouchée de rose beef dans la bouche. À un moment donné, je la regarde. Elle me regarde. Je la regarde. Elle me regarde encore. Ah ben là, je la regarde. Là, je ne sais pas qui m'a pogné, si c'est le vin rouge, qui m'a monté en tête, sourd de me sentir, déchirer son linge. 5 minutes après, on faisait l'amour comme des bêtes, on se roulait sa table à gauche, pas droite, à voyons donc. Je vous le dis, si le propriétaire du restaurant devait apparaître, on sera encore là. Mais la grande surprise, c'est la semaine passée qu'elle l'a eue. Parce que la semaine passée, c'est la fête à Martin. Puis là, elle avait amené les enfants chez grand-maman. Et là, elle a revenir à la maison toute seule, mais elle pensait que je n'allais pas là. Moi, j'ai dit, tiens, moi, il fait une surprise. Je me suis dit, si elle pourrait revenir avec les enfants, les choses, n'importe quoi, mais s'en vient à la maison. Moi, il m'a fait une surprise. Je lui ai dit, vous savez, j'étais une terre, m'acheter des chaînes et des cadenas. Puis il m'a enchaîné dans ce salon. Imagine, elle rentre dans la maison, paf, c'est moi. Au début, j'ai avancé mettre un petit peu de musique. Tu sais, je sais quand même bien Kevin Parent, là. Non, Seigneur, habillé de même, je n'étais pas sûr non plus. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Non. La grande imagination. Non, mais là, en tout cas, je suis allé jusqu'à une tard, j'ai acheté des chaînes, des cadenas. Là, je me suis installé dans le salon, ben installé. J'ai pogné des chaînes partout, les cadenas pognés partout. Quand tout a été barré, ben dur, j'ai pris des pieds, des cadenas. J'ai fait, tiens. Je dois me détacher quand t'as le goût de me détacher. Puis comme je le connais, on fait l'anglais jusqu'à 2-3 heures du matin. Je viens d'avoir fait des affaires, me fait dire, pardon, mon oncle. Fait là, je suis attaché en plein milieu du salon comme ça. J'attendais après elle. Je ne devrais pas être bien long avant qu'elle arrive. J'ai fermé toutes les lumières à ma maison. Bonjour, actuellement, je ne suis pas libre. Mes occupations professionnelles me retiennent présentement. Aussitôt libéré, je vous rappelle. Allô, chérie, c'est moi. Écoute, finalement, je ne voudrais pas coucher à la maison. Je vais coucher chez ta mère. Oui, j'ai pensé que demain matin, ce serait plus intéressant de fêter Martin chez nous. Alors, vers 10 heures, je vais arriver avec Martin, Nicolas, les enfants de la garderie, puis leurs parents. Ah oui, il y a ta tante Janine, la religieuse, qui va venir avec ta mère. Elle va être contente, ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu. Et en passant, j'ai accepté que le photographe de 7 jours vienne prendre les photos. Bonne nuit. Lundi. J'ai encore avec une histoire de fou. On dirait que ma vie, c'est une histoire de fou. On dirait que je veux trop. On dirait que quand j'en quelque chose, je le fais à 100 000 $, mais je le fais pas partout. Là, j'ai été trop encore. J'ai tout le temps été comme ça. Même quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Puis des fois, les gens en profitaient. Même mon meilleur chum en profitait. Faut que je raconte quelque chose. Mon meilleur chum, j'ai 18 ans. Mon meilleur chum s'appelle Marcel. Marcel, 18 ans, 210 livres, 6 pieds 2. Dorman à Alma, au Barbarousse. Un type de danseuse. Les clients, des motards. Les danseuses, des motards, la bagarre, tout le temps. Marcel qui était dans la porte de Dorman. Okay? Un jour, Marcel a besoin d'un remplaçant. Devinez à qui il a pensé. Moi. Mais moi, à 18 ans, je faisais 110 livres. Mouillé, là. Mouillé. Une grosse horaire, moi, il y a 110. Fallait chaud sa balance, moi, il y a 110. Un jour, Marcel m'arrive, il dit, Michel, j'aurais un job pour toi. Je dis, oui, où ça? Il dit, au Barbarousse. Tu quoi, laver verre, passer l'aspirateur? Non, Dorman au Barbarousse. Je dis quoi? Et tu fous de me tu veux 110 livres? T'es aussi bien d'envoyer un veau l'abattoir. Marcel, il dit, écoute, si je convainc de voir ce que tu peux être Dorman là, tu y vas-tu? J'étais capable de convaincre ce gars-là que moi, 110 livres, je peux être Dorman là, j'y vais.
Marcel va voir le boss. Il dit, ouais, j'ai trouvé quelqu'un à me remplacer. Il dit, oui, qui ça? Tu barrettes de karaté dans le mot, là. Il dit, qui? Tu barrettes de karaté, tu connais pas? Il est tout le temps dans les journaux, là. Il est ceinture noire, je sais plus combien de dames, là. Dans la fois qu'il était aux États-Unis, il revenait qu'une boîte de pick-up bien pleine de trophées, là. Ah, il est dangereux, mais je t'avertis, il a de l'air de rien, hein. Ah, il est tout petit, une quenouille! Mais tu fites pas là-dessus, parce que je dis qu'une quenouille ceinture noire, ça déménage en tabarouette. Ah, lui, il est tellement vite, là. Il dit, rentre une savate japonaise, là, puis ta tête d'orignal, fait du petit bois avec. Le boss, il dit, OK, on va le prendre. Mais il y a une condition, je touche pas ma tête d'orignal. Marcel m'en vient, il dit, Michel, ça marche. J'ai dit, quoi? Il dit, t'es rendu dormant au Barbarouche. J'ai dit, quoi? Il dit, oui, t'es rendu barrette, le karaté d'Alma. J'ai jamais fait de karaté de ma vie, moi. Puis je m'en serais jamais fait de ça. C'est pas important. Ils savent pas. Il dit, Michel, l'important dans la vie, c'est la psychologie. Il dit, je t'explique. Il dit, au Barbarousse, c'est des motards, OK? Il dit, dans la tête d'un motard de 350 livres, là. L'affaire en haut, là. Il dit, un moteur de 350 livres qui mange une volée par un autre moteur de 350 livres, c'est pas grave, ça s'annule. Il dit, ah ouais, il a voulu me poigner par en arrière, j'étais chaud pas mal, mais on va poigner à soir. Mais il dit, un moteur de 350 livres qui mange une volée par une quenouille de 110, ça te scrape une réputation de moteur bien raide, hein? Il dit, ils ont pas te toucher à cause de la psychologie. J'étais pas sûr, tu sais. Mais j'avais donné ma parole à mon meilleur chum, fait que je suis allé. Là, je me suis habillé en dormant. Dans ce temps-là, les dormants s'habillaient comme ça. Pantalon noir, chemise blanche, nœud papillon. Mais le noir, ça amincit, ça. On aurait dit que je faisais 60 des livres. Le soleil ne me poignait même plus. Quand je suis arrivé au Barbarouche, j'ai même pas ouvert la porte, j'ai passé par la craque de même. Là. J'entre là-dedans. C'était pire que j'avais imaginé. Tout le temps, la bagarre, ils se battaient tout le temps, ils se pitchaient de la vieille des chaises. Mon faux fil jusqu'au bord, j'arrive au bord, je demande à la fille, je dis, boss, c'est-tu là? Oui, il est là. T'aurais dû voir le boss, la moustache, la bédaine. J'arrive en face du boss, je dis, bonsoir. Êtes-vous monsieur Rousse? Mais regarde, si tu fais ça, toi, c'est pas un bal finissant, c'est là, là. Il dit, c'est quoi ton nom? Je dis, moi, mon nom, c'est Michel Barrette. Toi, t'as jamais dans le feu. Le boss me regardait comme ça, les motards me checkaient d'un œil. Il y avait un motard dans le coin, sa grosse vie, la vie sortait à chaque bord, c'est de même, là. Même la danseuse sustée, là, t'as jamais l'air à me regarder. Là, personne parlait là, le boss, il dit, hey, on s'excuse, Barrette, on te connaissait pas. Hein. Bienvenue au Barbarousse. Moi, je suis au bout de la table comme ça, j'ai été 10 minutes sans bouger. Bon, est-ce que là, dans la tête de tout le monde dans le club, où j'étais un ceinture noire de karaté, mais moi, je me demandais si ça bouge comment, une ceinture noire de karaté. Ça me suis mis à marcher de même. J'étais dormant dans une table aux autres. Des toilettes, oh, une grosse vie, oh. Ça, je tenais tranquille dans le club, moi, dire. J'avais moins une demi-heure, je travaillais là. Qu'est-ce qui se lève dans le coin? Sidepipe! Le moteur Sidepipe! Lui, il appelait Sidepipe parce qu'il faisait de côté, tu sais. C'est des petits noms qui sonnent comme ça, là. Sidepipe se lève, bien, bien chaud. Là, il se faufile entre les tables, s'en allait vers le stage principal où il y avait la danseuse Lady Borderball qui est en train de finir son stage. Elle était tombée en amour, elle était pas tout par moi, elle était pas déjà là. Sidepipe s'installe devant le stage, j'ai dit, hey, Borderball, ça te tente-tu, fais du musique? Qui est-ce qui s'est marié de Sidepipe? Mammouth! Le chum à Borderball! Mammouth avait moustache de même, Mammouth! Mammouth s'avance, il ramasse mon sidepipe, deux, trois coups dans le plafond, elle couche à terre, bading d'abord, bading de l'eau. Je dis, tu fais là, Mammouth, regarde, c'est à moi que tu parles. Non, non, c'est pas toi que je parlais, Mammouth, je parlais à sidepipe, là. Qu'est-ce que tu fais là, sidepipe à terre, hein? Faut pas que tu fais du sang sur le tapis partout, là. Ça tâche, hein? J'ai dit là, des petites dents que tu laisses partout à terre, une danseuse passe du pied, va se rentrer dans un pied. J'ai dit, Mammouth, mets-les des os, sinon le champ va lui faire mal, moi. Mammouth, le Maléa, il range l'esprit, Mammouth m'a allé parler. Je sors dehors, je vais voir un sidepipe. Je dois mon sidepipe. Je pense que je viens de te sauver. Je t'ai ramassé 4-5 petites dents, là. Ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre. Mais mets-toi ça dans la bouche, je vais savoir de merde, OK? Je rentre dans le club et je fais signe à Mammouth. Tiens, réglé. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait de la psychologie. Mais la soirée avancée comme ça de psychologie, psychologie. 1h30, 2h moins 20, 2h encore, 2h 20, 3h moins 10, 3h 20, 3h30, à peu près tout le monde commence à sortir pas mal. Ça va être fun, on va savoir la gang demain. 4h moins quart, tout le monde est sorti.
qui reste dans le coin? Non, les Filter Queen de l'Ascension. Les 15 motards Filter Queen! Parce qu'ils les appelaient Filter Queen quand ils rentraient quelque part et qu'ils venaient à la place. Puis ils étaient avec le chef, Chico! Lui, il était gros, Chico! Gros, il sale des malodorants, gros Chico! Il avait des mains, après ça, c'était large de même, là. Les doigts, c'était des pogos, là, tu sais, là. Avec les bâtons, c'était de même, là. Quand il ramassait une grosse bière, elle disparaissait au complet dans sa main, là. Là, ils sont là, toute la game dans le coin, pour un mot, ça la game, puis ils me regardent. Moi, je me suis dit, tiens, ils sont titres pour m'asseoir à soir, ça. Là, le boss me regarde, il me dit, Chris, moi, ça rigole. J'ai attendu un petit peu. 4h30, 5h moins quart, 5h30, 6h20, il se lève. Moi, je dormant, je m'installe dans la porte. Là, je s'en mets toute la gang, puis Chico est en arrière de la gang. Là, à mesure qu'un moteur passait en face de moi, il y avait une petite gentillesse pour moi, une claque sur la gueule, du coup d'écho. Sympathique, t'sais. Le dernier qui s'est présenté, c'est Chico. Hey, ça fait de l'ombre, cet animal-là. Là, je vois arriver à grosse main de pogo, tiens, il va m'arracher la tête. Là, j'ai vu la mort, mais la vraie mort. Tu sais, le tunnel à ta lumière au bout, je l'ai vu, moi. Oh, c'est une GE43 avec une chaîne chromée, je l'ai vu, moi. Tiens, avec sa grosse main de pogo, il prend mon nœud papillon, tongue, il me le met off. Là, il pousse la porte et il sort dehors. Là, normalement, quelqu'un qui veut vivre, là, tu barres la porte, tu mets un cadenas, tu descends dans le sous-sol, t'appelles 911, tu sautes ta vie. Pas moi. J'ai voulu vérifier la force de là. Psychologie. Pousse la porte, sortie dehors. Donc, je suis dehors, sa galerie, eux autres, ils étaient sur le Harley Davidson. Là, ils attendaient que Chico starte son basic. Parce que eux autres, c'est demain que ça marche. Si le boss starte le basic, eux autres, ils sortent le basic. Si le boss starte pas, eux autres, ils startent pas. Ça a quand même des tickets, ces gars-là. Là, ils tentent le basic puis ils partent. Là, quand je suis bien sûr, ils sont trop loin de m'entendre. Hey, Chico! Tabarnak, crié trop fort. 15 lumières après qu'il allume. Là, ça arrête, puis là, ça débarque. Puis là, ça sent bien les chaînes, puis tout. Fait que je m'installe sa ligne jaune, Chico s'installe sa ligne jaune. Je regarde Chico. Il me regarde. Je le regarde. Il me regarde encore. Non, je ne suis pas fait amour avec. Non. Chico me regarde. Hey, bon, arrête, si tu veux des sessions noires de karaté, je dis oui, Chico, ben, fait comme toi, il revient là, ça te tente-tu? Puis dis-moi, des moteurs comme ça, j'en mange des années à mes céréales, tu te tentes-tu, les gars? Ils disent, n'arrête pas, j'ai fait. Puis on rembarque ici, c'est que on s'arrête le camp. Vous savez ce que j'ai fait? Non, j'ai jamais vu l'autre. Ça, j'avais l'air à 17 ans en 1974. On avait du style pareil dans ce temps-là, hein? C'est vrai, hein? Des belles molles, hein? Des beaux cheveux, beaux vilains, dans l'eau, là, c'est pas de problème. Là, je trouve que c'était une belle période créatrice, tu sais. C'est comme une période où on créait des affaires, des nouvelles modes. On en fait toutes, on fait tout le temps. Toutes les modes aujourd'hui qui reviennent, toutes nous autres qui ont fait ça, hein? Alors, moi, j'en lançais des modes. Vous rappelez-vous la mode, on se lave plus? C'est moi qui avais parti ça. Mon record dans le temps, 2 mois et demi. Face à face avec une moufette, elle virait de bord. J'ai pensé vous montrer ça parce que je fête cette année mon 18e anniversaire de tentative de suicide. Non, je vous en parle parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'ouvre la télévision, j'entends dire que jeune s'est suicidé, ça me jette sur le dos. Quand j'ouvre les journaux et j'apprends qu'on a, au Québec, le taux de suicide le plus élevé chez les adolescents en Amérique du Nord, sinon au monde, je ne comprends plus rien. Les jeunes se suicident plus au Québec que partout dans le monde. Puis ce que je comprends pas, c'est que des fois, ils essaient de m'expliquer ça en me disant que les jeunes font comme les idoles, comme Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, comme si on voulait faire comme nos idoles. Hey,
Voyons donc. Moi, quand j'étais jeune, mon idole, c'était Demis Roussos. M'a dit la grande tunique avec mon bessic, ça pogne dans le gêne, là. Goodbye, my dove, goodbye, SRL, hein. Mon chum, son idole, c'était Jim Hendrix. Si je jouais de guitare électrique avec ses dents, là, mon chum essayait de faire pareil. Il oublie qu'il y avait des broches. Il aurait pu gagner le feu d'artifice à Montréal, je vais vous dire avec ça. Non, hey. Non, moi, ma raison à moi, c'était pas mon idole. C'était une fille. Le premier amour de ma vie. Le premier, puis sûrement, le plus bel amour de ma vie. Vous savez, à chaque fois que je me souviens d'elle, puis je m'en souviens souvent, c'est toujours la même image qui m'en revient. Je la vois, je vois un poncho, une flûte traversière, un petit chat sur l'épaule, puis une tisane de racines de bleuets dans les mains. Elle était belle, mais elle était douce. Belle, puis douce. Elle était belle, elle était comme... Are you going to Scarborough Fair? Elle était belle, hein? Elle était belle, mais on s'aimait parce qu'on s'aimait. Elle me trouvait belle, je la trouvais beau, on s'aimait. On était tout le temps ensemble. C'est vrai, on était tout le temps collés ensemble. On aimait ça quand on était ensemble. Le soir, on prenait des marches, toutes les deux, là, dans le même poncho. Là. Les deux étaient dans le même trou, on marchait dans les rues. Là. Il neigeait, c'était romantique. Il pleuvait, c'était romantique. Un truc nous arrosait, c'était romantique pareil. L'été, on allait dans les parcs, on lisait des livres. Le petit prince de Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. Ça fait qu'on s'en mêche du bien dur pour marcher dans les rues comme ça. On a frappé des boîtes à mal dans notre convention, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, elle avait une recherche, parce qu'on recherchait ensemble. On était 5 ans ensemble. Même qu'à la fin, on vivait ensemble. Puis c'était le fun, parce que quand on vivait ensemble, on s'aimait tellement qu'on avait besoin de rien. Puis heureusement, parce qu'on n'avait rien. Mais rien est rien. Si tu ouvres la porte, il y en a plus dehors qu'en dedans. Là. C'est rien, rien. Mais c'était pas grave, on s'aimait, on aimait ça comme ça. Et c'était le fun parce que dans ce temps-là, les jeunes, les gouvernements nous aidaient quand on s'aimait. Il y avait des projets pour les jeunes, comme des projets piles, projets d'initiative locale. Ça, c'était le fun. Tu avais juste à avoir une idée brillante puis te payer pour. Genre, cet été, on tisse la tourbe. Fait qu'on tisse la tourbe pendant 20 semaines pour qu'on tombe sur le chômage pour l'hiver. Ça nous donnait tout l'hiver pour avoir une autre idée brillante. Puis ils m'ont dit qu'avec ce qu'on fumait dans ce temps-là, les idées brillantes, c'est pas ça qui manquait. Dans ce temps-là, quand on allait au chômage, sur nos cartes de chômage, il fallait toujours écrire les deux jobs qu'on accepterait d'occuper. Elle écrivait « pompier sur Pluton » ou « astronaute sur Mars ». Téléphone ne donnait pas souvent. Moi, j'écrivais « poète sur la Lune » ou « officier de prêt d'une banque ». Ils ont appelé! J'ai quoi, poète, la Lune? Non, la banque! Je me suis fait la tête, toi! Je suis en tête patchouli tout de suite à Brossard, tu sais! Ah, ils ont dit, c'est ça où on coupe ton chômage. Je viens d'où venir le prendre, ah ouais. Hé, hey, les cheveux, toute la cravate, la bille, toute. Dans 3 semaines, je suis passé de 4 à 6 semaines, ça prend un Sinatra. Et j'ai pris un job 1 mois, 2 mois, 3 mois. Hé, hey, un soir, j'arrive chez nous. Je suis gentil quand je suis chez nous. Je n'avais jamais réalisé avant de travailler comme ça dans quoi ce qu'on vivait. On restait une petite roulotte, là, bouleuse, là. Tu sais, les petites boules, là. On avait collé des pieces neuves dessus, on avait planté des ratis dans le cours, là. J'arrive le soir, j'entre dans la roulotte. Je suis là avec ma cravate, même à sa vie à terre. Elle me regarde, elle dit, Michel, faut que je te parle. Elle enlève le chat de son épaule. Elle met sa racine de tisane sur la bûche. Elle me dit, Michel, tu te perds. Elle dit, Michel, je te reconnais plus. Elle dit, Michel, celui que j'ai aimé se cache au fond de toi. S'il vous plaît, pars à la recherche de ton toi profond. Et si tu te trouves, ramène-le-moi. Je t'aime, je te laisse, je m'en vais chez ma mère. Ben merci! Moi, je suis pas débuté, tu quoi? Mon moi profond, j'ai dû laisser traîner quelque part. Mon moi profond, m'a trouvé tantôt. Je suis pas débuté à me laisser parce que je suis en train de me perdre d'une job qui m'en semblait pas. Moi, je comprenais plus rien là-dedans. Elle était partie. J'étais malheureux. Toutes les nuits, je marchais dans les rues de la ville. J'avais l'impression d'être une grosse affiche au néo marquée peine d'amour. Puis personne ne l'apercevait. Je suis allé voir mon meilleur chum, Marcel. J'ai dit, Marcel, si tu savais, la vie a pas de sens. Il dit, Chris, que t'es drôle. Si tu vois ça. Puis si mon meilleur chum ne peut pas me comprendre, c'est réglé, je me suicide. Mais là, c'est facile à dire, mais il faut que tu te prépares, hein? Ah oui, ça prend la lettre d'adieu. Quelle place que tu fais ça? Quand est-ce que je fais ça? Je fais tout ça intime avec j'avais du monde. C'est pas évident. Premièrement, la lettre d'adieu. Ça, la lettre d'adieu, ça n'a pas été compliqué. Je l'ai piqué d'un livre. Ça donnait ça. Ça donnait, j'aurais pu passer une si belle vie, mais hélas, sur cette planète, les moyens sont précaires et les hommes brutaux. Qui n'aimerait pas mener une vie paisible, mais les circonstances ne s'y prêtent pas. M.
sais pas ce que ça voulait dire, là. Mais je trouvais que t'avais du punch, tu sais. Oh, parce que si moi j'avais écrit quelque chose, j'aurais écrit genre, à me laisser mauditement, c'est moins fort un peu. En tout cas, là, j'avais ma lettre. J'ai dit, ma lettre, portée chez mes parents. Je suis rentré chez mes parents, en cachette, je suis allé dans leur chambre, j'ai mis la lettre sur leur lit. En sortant de la maison, je suis passé devant le salon, j'ai vu mon père, je lui ai dit, pas! En passant de ma cuisine, j'ai vu ma mère, elle dit, ma! Là, je suis entré dans la cuisine, j'ai pris ma mère dans mes bras. Là, je l'ai serré fort. Il dit, ma, je t'aime. Ça doit être là qu'elle s'est doutée de quelque chose. Et là, j'étais prêt. Tout ce qui me restait à trouver, c'est quelle place j'allais faire ça. Tout de suite, j'ai pensé à quoi? Le métro. Parce que le métro, c'est vite fait, dans le garage de bain, ben, t'es mort. Mais le métro, à Alma, pas évident. C'est le temps qu'il vote le budget, qu'il creuse le tour, puis t'as dedans, pas dans la dame. Non, non, quand t'es prêt, t'es prêt. Alors, j'ai pensé à quoi? Au pont Carcajou. Parce qu'à Alma, aussi connu de la meilleure place, c'est le pont Carcajou. 195 pieds, la rivière en bas, tu te manques pas, ça c'est connu, je vous le recommande, le pont Carcajou. Et l'avantage du pont Carcajou, c'est que du haut du pont Carcajou, on pouvait voir la maison de ses parents, là où elle était rendue. Je trouvais ça plus romantique. Alors là, je suis parti à cause de le pont Carcajou, je me suis ramassé au Liban. C'est un autre type de danseuse allemande. Je ne sais pas pourquoi, avant de mourir, j'ai eu le goût de prendre une bière. Alors j'étais au Liban, en train de traîner ma quatrième grosse bière. Qui est-ce qui rentre au Liban qui avait trouvé ma lettre? Mon père et ma mère. Hey, ils n'avaient jamais mis les pieds dans un type de danseuse, ni un ni l'autre de leur vie. Hein. Ma mère marchait comme ça, là, mon père marchait de même. Il arrive au bout de ma part, mon père me regarde, dit, fiston, je pense qu'il faut qu'on se parle. Viens donc nous autres à la maison. Puis j'ai suivi. Je commençais à être un petit peu fou. J'ai embarqué dans le champ, il y avait moi, il y avait ma mère, il y avait mon père. Il devait être à peu près à 2 h du matin. Il venait juste de pleuvoir. Puis les rues étaient comme vernies. Tu sais, les gens de soir que les briques de bicycle ne collent pas, là. On s'en allait comme ça sur le boulevard, on arrive aux lumières du Port-Roger, on tombe sur la rouge. Là, pendant qu'on attendait sur la rouge, je me suis mis à penser à ça. Je dis, c'est pas demain que ça devait se passer. J'ouvre la porte, je débarque, et là, je me mets à courir. Et là, je courais vers le pont, Et comme je descendais vers le pont, je suis passé dans le poulet frais Kentucky. Et je courais juste à bonne vitesse que le colonel Sanders, son gros baril qui tourne, est plein de suivre des yeux. Puis ça m'énervait. Puis tout là-bas, mais ça va de ça. Quand je suis arrivé au pont Carcajou, le temps s'est comme arrêté. Quand je suis arrivé au pont, tout était parfait. Au loin, il y avait la musique du Liban. En bas, il y avait la rivière. Il y avait la maison de ses parents. Il y avait la lune. La lune. Ça vient en prime avec la fin de l'adolescence.
Puis vous autres, vous savez qu'on se remet toujours d'une peine d'amour. Vous autres, vous le savez, mais lui, il ne sait pas encore. Puis ma grande peur à moi, c'est que quand lui va vivre ça, ma peur, c'est que dans ce temps-là, il y a toujours un pont qui traîne à quelque part. Mais, heureusement pour nous autres, il y a le colonel Sanders qui nous watch. Pau! Challenger va exploser. Ben, il est sûr, c'est de sa faute.
certain, en pétant de sauter. Pour moi, mes batteries sont trop fortes là-dedans. Il voulait appeler la NASA pour s'excuser, effectivement. Des fois, je chicane avec ma main, ma main. Fais attention, mon pédé sur les gueules. Ça, c'est mon père. Mon père, c'est pas pire encore. Mon grand-père, à ce moment. Ouais, c'est lui qui m'avait inspiré l'autre, là, Hi-Ha, là. Oh, ouais, si vous trouviez que Hi-Ha était spécial, faut voir mon grand-père. Oh, le moins que je puisse dire de mon grand-père, c'est que c'est un gars original. T'sais. On dirait que mon grand-père, toute sa vie, chaque journée de sa vie a été la photocopie de la veille. C'est vrai, c'est un gars qui n'aime pas les surprises. Lui, c'est le genre de gars, mettons, il se lève le matin, tu vois, à maman, je vous assois. Tous les matins de sa vie, il ne se lève pas à 7h15, 8h15, non, non, non. Tous les matins de sa vie, il se lève à 7h30, pile, 7h30, paf, il est debout. 7h30. Le soir, c'est 11h30, 7h30, 11h30, toute sa vie, pas de surprise. On va faire l'épicerie. Bon, les autres, une semaine, on va faire l'épicerie, coûte 82, 92, oups, 104, pas lui. Ça coûte toujours le même prix. Parce qu'il se fait une liste, il a juste reçu sa liste. Il se promène dans l'épicerie, ma grand-mère le suit. Ça, c'est sur ma liste. Ça, c'est sur ma liste. Ça, c'est pas sur ma liste. Ma grand-mère dit, quand Jean-Marie, c'est en spécial. C'est pas sur ma liste. Là, il rentre à la maison, il met un sac sur le comptoir. Vous savez, des fois, on vérifie le coupon caisse. Si, mettons, une canne de bine 2,22, bon, 2,22. Lui, c'est pas ça qu'il fait. Il met un sac sur le comptoir. Ma grand-mère, c'est la salle de main sac. Il prend le coupon caisse, puis il commence. 3,27 $. Non, ma grand-mère saute d'un sac pour trouver qu'est-ce qui coûte 3,27 $. Elle saute des spaghettis, Jean-Marie, le spaghetti. Jean-Marie, dépêche-vous, la crème glacée fond sur le comptoir. Qu'elle fasse comme le reste qu'on lisse qu'elle attend. Je me suis longtemps demandé pourquoi mon grand-père était comme ça. Je pense que c'est parce qu'il vient d'une autre génération. Il vient de l'époque d'avant la télévision. Mon grand-père, il vient d'ailleurs de l'époque où la télévision est rentrée. Les premières télévisions sont rentrées dans un salon. Et mon grand-père, c'est le genre de gars, quand les premières télévisions sont rentrées dans un salon, qui pensait que le monde dans la TV voyait le monde dans le salon. Puis il restait de même. Il savait qu'il y en a eux qui étaient à TV. Il grouge ma chagrin, non, gros comme là-bas. On a fait une main d'œil. Il parle à la TV. Il voit un gars avec un couteau dans les deux. Fais attention, on va te prendre des. Fais attention! Mon tesson qui m'entend, toi, t'as rien, mon innocent. Quand tu parles à la TV, c'est pas pire. Au théâtre. Il est allé au théâtre une fois dans sa vie, se me voir jouer moi dans une pièce de théâtre. Jamais mis les pieds dans un théâtre. C'est une place comme ici, d'ailleurs, mon père, tiens, moi, l'amener voir, voir ce que son petit-fils fait dans la vie. Fait qu'ils sont au théâtre. Il y a mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. Ils sont assis en plein milieu. Moi, je joue dans la pièce. Alors, je suis à l'avant-scène comme ça. Il y a une comédienne en face de moi, on est en train de parler. J'ouvre une bière, je suis en train de la causer. La bière, je repense à la fille, la fille s'en va. Moi, j'ai eu de la bière dans mes lunettes, j'ai pas vu qu'elle était partie et je continue à la causer. Alors, le comique de la situation, c'était ça. Tout le monde avait compris. Sauf lui. Elle est partie! Ferme ta gueule, elle est partie! Il me parlait, sa scène. C'est bon pour la concentration. Plus tard dans la pièce, il fallait que je fasse le gaucho. Alors, je suis de revenir d'un parti. Alors, j'entrais sur scène en jouant le gaucho du mieux que je peux, de peu d'expérience que j'en ai. Je m'emmenais sur la scène. Belle réputation, longueuil, mais ça va bien. Alors, j'entre sur scène en jouant le gaucho. Tout le monde sait que je suis pas chaud. Oh, ben, tabarnak! Il se coule la gueule! Mais ça vient en eux, venez de me voir, tu te coules la gueule! Ben, si quelqu'un te demande si le petit-fils de Jean-Marie Barrette, tu diras non! Des honneurs de famille, débarqué! Soyez bien loin, collez ta manière de ça! Dis-moi sans parler. Méchant caractère. Vous savez, mon grand-père, il est mort cette année. Je vous dis ça parce qu'il me manque beaucoup, puis je vous dis ça aussi parce que. Parce que même s'il avait un méchant caractère, il avait le cœur lâche comme ça. Puis je vous dis aussi parce que c'est beaucoup grâce à lui que je fais des grimaces comme ça aujourd'hui parce que lui, c'est un compteur avec son humain. Mon grand-père est mort cette année. Il est mort le vendredi saint. Il est mort à 7h30, pile! Si vous ne me croyez pas, mon père, tout ça, cette vidéo. Merci.
tente de le copier à tour de bras. Une voiture ancienne de Pouenégamou. Cette semaine à l'Authentique, on vous présente la Transam 1969. Et on a avec nous notre spécialiste Pontiac, Pierre-Paul. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Éric, ça va bien? Très bien. L'origine du nom Transam? Transam, c'est Trans-Amérique. C'est une série de courses automobiles qui se tient au Canada et aux États-Unis. Il faut dire qu'en 69, lorsqu'ils ont fait le modèle, ils pensaient à trouver un nom qui accrochait. Donc, ils ont choisi ce nom-là, mais sans penser que le nom appartenait à la SCCA. Donc, Le nom appartenait pas à Pontiac? Pas du tout. Ils ont été obligés de payer une royauté à SCCA pour pouvoir utiliser le nom. Donc, à ce moment-là, 5 $ par auto. On s'est dit, bon, on en fait peut-être 1 000, ça fait 5 000 $ mais il faut penser qu'en 79, ils en ont produit au-dessus de 100 000, ce qui fait 500 000 $ Donc, la facture était pas mal plus élevée en 79. Pour ce prix-là, il aurait profité toute l'association de part. Donc, Pontiac pensait pas avoir un si grand succès avec sa voiture lorsqu'ils ont pris les ententes. C'est-à-dire qu'ils espéraient avoir un succès, avoir un High Performance Street Machine, c'est ce qu'ils ont fait, sauf que ça a dépassé leur espoir. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui une Pontiac, le même modèle, mais 30 ans plus tard. Puis on a beaucoup de similitudes entre les deux modèles, Pierre-Paul. Effectivement, les similitudes sont au niveau du capot, les prises d'air sur le capot. On a aussi au niveau des ailes, on a les sorties d'air sur les ailes et aussi sur l'aileron arrière qu'on retrouve sur le capot. Pierre-Paul, on a sous le capot un V8, bien sûr, 404 barils. Est-ce qu'il y avait d'autres moteurs disponibles dans ce modèle-là? Oui, dans la Transam, il y avait deux moteurs disponibles, le 400 Rammer 3 et le 400 Rammer 4. Le 400 Rammer 3 développait 335 forces, le Rammer 4, 345 forces. Quel est le cas de notre véhicule qu'on est ici présentement? Rammer 3, 335. Est-ce que le moteur avait d'autres choses d'exceptionnelles cette année-là? Bien, pour ce qui avait surtout des caractéristiques, c'est d'avoir un abracam un peu plus haute, si on veut. Okay. Et aussi le système d'échappement avec des manifolds qu'on appelle un peu plus gros. Et le système d'échappement plus gros aussi. On va-tu faire une petite balade, Pierre-Paul? Yes, sir! Pierre-Paul, les grandes nuances entre le GTO et le Transam, c'est quoi les différences? En fait, la différence n'est pas très importante parce que les concepteurs du Transam sont les mêmes qui ont fait le GTO Judge plus tôt dans l'année. En décembre 68, on conçut le Judge et ensuite, en mars 69, on conduit le Transam. Donc, on retrouve le même esprit. Si on parle des spoilers en arrière ou du hood, ce sont le même esprit. Donc, les deux équipes n'ont pas travaillé de façon différente? Non, ce sont les mêmes équipes avec la même pensée, la même philosophie. Et en fait, c'est qu'en quelque part,